bon là-dedans. C'était un prank, c'est de l'alcool, tu vas être bourré. J'ai toujours rêvé d'être bourré, ça y est, c'est le jour J. J'ai trop mal, ça perd la chaleur. Salut à toutes et à tous. Ah, il m'a foutu le seum, là. Wesh, la famille, ah, ça dit quoi, les frères? Pourquoi je t'ai foutu le seum? Je sais pas, genre, tu te retrouves dans une émission, genre. Ouais, là, on va animer l'émission, la famille. On se retrouve aujourd'hui. Rey Mysterio, il fait flipper derrière. Est-ce qu'on dit c'est qui ou pas? Bon, le Rey Mysterio. Elle a dit non. Mysterio, du coup. Elle a dit non. Eh, hey, maman, elle a dit non. C'est trop bête, genre. La trolle, ça. Pardon, Rey Mysterio, c'est bon. Bon, les amis, aujourd'hui, nous sommes avec les sœurs. Salut, comme d'habitude, hein, depuis 21 jours maintenant. Voilà, c'est vrai que c'est le voyage au Mexique, quoi. Et par contre, t'as forcé, maman. C'est bon, j'arrête. Ouais, aujourd'hui, les refs, on est dans le thème Mexico. Et t'as forcé de moi ça. C'est vas-y, bon, j'arrête. C'est bon. Bon, Adem, aujourd'hui c'est quoi? Qui aura l'objet piégé de la villa au Mexique? Voilà la famille, c'est le concept. On va avoir plein de mauvaises surprises ou des bonnes surprises dans cette vidéo. On va avoir un objet chacun ou de la nourriture. Et en gros, il y en a un qui est piégé. Nous, on doit tout simplement bluffer ou essayer de pas se faire griller, quoi. En fait, c'est simple. Vous voyez le concept d'Halloween qu'on a fait? C'est identique. Voilà, sauf que là, il y a des objets. C'est pas que de la nourriture. En espérant que vous allez kiffer cette vidéo, les frères, mettez tous un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Attends vite fait, les filles, est-ce que vous avez un nombre de pouces bleus? Ah, Rey Mysterio, tu veux les pouces bleus, ouais. Deux pouces bleus? Elle va pas te dire combien. Ok, on sait pas ce qu'elle est en train elle de raconter. Pas, elle va pas parler. Moi, je dis 90 000. 90 000. Moi, je dis 100 000. Mettez tous un maximum de pouces bleus. Voilà, les refs, on vous laisse à la vidéo. Première manche. Bon visionnage. C'est parti. Premier objet, on l'attend. Le chapeau des charros. Allez, tu distribues un chacun. Bon, les refs, ça s'appelle les chapeaux des charros, je vous explique. Adem, déjà, enlève le tien, frère, t'as forcé avec ton chapeau de plage. On en a un chacun, les amis, au hasard. Il y en a un qui est piégé. Le chapeau, il est nommé chapeau des charros, aussi le sombrero en français. C'est un chapeau traditionnel mexicain. Qu'est-ce qu'il nous fait le mec du musée, là? Vas-y. Mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'histoire. Non, genre, on s'en fout, genre. À l'intérieur du chapeau, celui qui est piégé, il y a tout simplement des clous. Ah, merde. Il y a des clous là, les refs, vous allez vous érafer le cerveau, genre. Vas-y, on peut le mettre, s'il vous plaît. Okay. Adem, enlève ton chapeau là. Non, mais moi je l'ai déjà mis. Ah, yes, c'est pas le bon. Allez, refs. 1, 2, 3. Regardez pas à l'intérieur. Ah, vas-y, appuyez là, Kayla, appuie. Moi pour l'instant, ça va. Hein. Mais toi il va même pas dans ta tête. Mais wesh. J'ai pas envie de faire du mal à la personne à côté de moi, mais j'ai envie de faire poum. Bah non, c'est pas du jeu. Mais y'a un moyen, genre la vidéo elle se termine aux urgences. Ouais, je te jure. Hey, Rey Mysterio, tu peux partir. Genre, non, moi je l'aime bien ici. Tu peux appuyer sur les têtes si tu veux, tu non, veux quelqu'un. Non, bah non. Ah, pourquoi elle dit ça? Comment ça, wesh? Mais c'est pour vous. Ah, c'est pour toi. Attends. Mais ça, je sais que ça peut faire mal, c'est des clous, frère. Ah ouais. Ça va, Layer? Bah oui, ça va. T'es sûr? Tu peux appuyer vite fait sur ta tête? Non, pas appuyer comme ça, c'est trop facile. Okay, tu peux appuyer comme un champignon, là, on est dans Mario, là. Bing, bing, bing. Elle se fout de ma gueule, Adem. J'avoue, bizarre. Les gars, bizarre, là. Ça va? Il fait trop semblant, par contre. Ah, la capté. On a le droit de bluffer ou pas? Ça va, Kayla? Mais pourquoi tout le monde est bizarre, là? Je comprends pas, là. Et tout le monde a mal, je crois. Non, mais attends, je vais vous dire un truc. Faut prouver, on est d'accord? Ouais. À 3, on appuie tous au maximum, on le tire vers le bas, comme ça. Pas celui qui crie, il a perdu, frère. On a qu'à déchirer, frère. 1, 2, 3. Je suis au max, frère. Je suis au max aussi, je crois. Je suis au max aussi, frère. Je suis au max. Mais wesh, c'est qui? Il y en a, il est en train de souffrir, sa mère, il veut pas le dire. Kayla, ça va? Kayla, c'est toi. C'est elle. Elle est pas en train de tirer pour de vrai. Mais wesh. Rey Mysterio, t'en fous le clou, là. Ah, il y en a, il a une tête de cocotier, wesh. Comment ça, il a pas mal? Bon, les refs. Il y a Bourbier, là. Je pense qu'on va passer au vote parce que là, on n'arrive pas à savoir. Eh, en commentaire, dites pour vous, c'est qui? Moi, ça se tape entre Kayla et Leia. Ouais, pareil. Moi, ça se tape entre Bilal et Kayla. Quoi, tu me mets dedans? Ouais. Mais Leia. Mais je me suis tué le cerveau. Enfin, j'ai frappé fort, genre. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ah, c'est entre vous deux. Ok, entre Adem. Nous deux, là. Ok, je vise Adem. Non, Adem. Adem. Non, elle vient de dire non. Elle vient de dire non. Mais comment ça, tu balances, toi? Entre Leia et Kayla. Mais par contre, t'as pas le droit d'aider, Rey Mysterio. Ouais, c'est pas toi qui joues ma gueule. Va dans la piscine. Tu fais un Akatsuki. Ah, oui, votez. En vrai de vrai, la daronne, elle me tue, frère. Attendez, avant de voter, faites juste ça. Leia? Je vote Leia, elle a été trop gentille sur le coup. Leia. Kayla? Mais wesh! C'est bon. C'est Leia. On vote Leia. Vous avez bien vu comment j'ai enfoncé le truc dans ma tête? Vas-y, on fait le. Non, mais là, t'as fait la.
wesh. Mais c'est qui, c'est quoi ces cerveaux? C'est ça, je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, wesh. Depuis tout à l'heure, je mets sur ma tête et tout. C'est toi, tu fais trop le mec depuis le début. Moi, je vote Leia. Stop, c'est bon, je pars sur mon vote. Leia. Moi, Adem. Leia. Adem. Bah, on est trois sur toi, Leia. Okay. Que le coupable se dénonce tout de suite. Maintenant. J'ai trop mal, sa mère la J'avais... Oh, les pics à l'intérieur. Oh, je te lâche forcé en plus. J'ai trop forcé, par contre. Obligé, je me suis fait saigner le crâne. Force. Ah! Appuie comme j'ai appuyé. Mais wesh, elle a... Non, comme ça. Ah, ça enfonce dans le crâne, mon ref. Oh. La meuf, tout ça pour pas dire que c'était elle, elle s'est tué le cerveau. Allez, Rey Mysterio débarrasse. Bon bah, on a nous trois un point, Leia 0. On passe à la prochaine manche. Comment t'as force avec ça? Deuxième manche, Leia me l'avait confisqué, je l'ai repris. Bon les frères, alors la deuxième manche, Rey Mysterio, tu fais quoi là? Chercher les tacos? Comme vous l'aurez compris, la deuxième manche, les tacos. Là, il faut savoir qu'à chaque fois, les tacos, les objets ou les aliments, ils sont servis au hasard. C'est la prod qui décide, la prod du bled qui est ma mère. Et j'ai une question. Quoi? C'est quoi le truc piégé dedans? Alors les refs, 4 tacos dont un piégé. On remplacera la sauce guacamole à l'intérieur par une sauce piquante traditionnelle nommée la sauce mexicaine Cholula. Donc là les refs, c'est piégé à l'intérieur, il y a une sauce ultra piquante. Allez, on prend tous un bon gros croc. Hein. Et attends, c'est à la sauce piquante du coup. Hein. Oui, oui. Allez, bismillah. Ils sont magnifiques. Oh, ils sont encore tout chauds. Maman, t'as géré un Rey Mysterio, oh, tu cuisines trop bien. 1, 2, 3, let's go, on croque. Il est trop bon. Vous allez bien? Ouais, j'ai l'impression que ça pique et tu te fais du vent. Oh, cette saveur de viande. Pourquoi tu fais un petit sourire? Il est pas humble là. T'as un petit sourire en bouche. Ah, là. T'as du cheddar sur les dents. Franchement, il est super bon. C'est une dégustation là. On retape un croc encore plus gros, s'il vous plaît. Là, j'ai l'impression que tout le monde kiffe. Qu'est-ce que t'as fait à la recette là? T'as mis du piment? Arrête, vous savez que dans la famille, on aime tous trop le piment. Genre, on met du piment genre presque partout. Ouais, oh, y a des petites chips avec du guacamole pour rafraîchir un peu le piment. C'est vrai qu'on a l'habitude sur la chaîne les refs. Hein. Putain, mais là, y en a un, il est bloc. La viande allait passer de travers. Ah bon, c'est la viande? Rey Mysterio, il a voulu me piéger. C'est pas plutôt le piment? Oh non, c'est pas le piment, non. Sale menteur. Comment ça, sale menteur? Ça va, je t'ai dit. Arrête de me regarder, c'est pas moi. Wesh, pourquoi t'as les yeux qui pétillent comme ça? Tu pleures, hein? Mais c'est toi qui as les yeux bien brillants. Waouh, Rey Mysterio, il me ramène de l'eau. Mais c'est pas pour moi, t'inquiète, j'en ai pas besoin. Ça va bien. Oh, Léa! Oh, Adem! Il boit. Ah, il est normal. Adem. À chaque fois que t'as bu dans les trucs comme ça, t'es piégé. Wallah, j'ai soif, regarde. Oui, arrête, t'as soif parce que ça pique. Ah, il a retapé son croc, quand même. Mais parce qu'il vient de boire de l'eau. C'est trop facile. Ouais, Adem. Ça, je connais. Tu votes Adem? Ah, oh, Adem. On passe au vote? Bilal, est-ce que je peux me permettre de sentir ton taco? Tu veux sentir mon taco? Ah, c'était juste une question lambda. Regarde ce qu'il a dit. On n'a pas le droit. Non, Adem. Adem. Là, c'est Rey Mysterio qui dit on n'a pas le droit. Ah, j'ai trop l'esprit mal placé, c'est une folie. Ça va, Kayla? Est-ce que tu peux recroquer dedans? Bien sûr. Pour moi, c'est Kayla. Non, c'est Adem. Frère, arrêtez. Ok, on peut passer au vote? Okay. Je sais que je suis une légende, mais c'est pas moi, là. Ok, je vote Kayla, personnellement. Je vote Kayla, personnellement. Je vois, là, donc, t'es trop dans le truc. C'est bizarre. Parce que j'ai faim, genre. Ah ouais? Bon, du coup. Moi, je vote Adem. Moi, je vote Kayla. Je vote Kayla. Donc, on est deux sur moi, deux sur Kayla, on fait comment? C'est Kayla, quoi! C'est Kayla, je crois. Que le coupable, le piégé, se dénonce tout de suite. Arrêtez, arrêtez. Ah wesh, c'est qui wesh? J'ai plus une gorge, frère. Il est pas piquant de ouf, genre. En vrai, ça va. Ça va? Attends, vas-y, fais voir. Vas-y, Adem, dis la vérité, s'il te plaît. Non, il est bon. Moi, ça se voyait sur tes yeux. Frère, c'est pas... Frère. Quoi? Il arrache le cul. Comment t'as fait? Eh, ça, j'ai applaudi, elle est trop forte. Ah bah non, elle est pas forte, je suis un ouf. On l'a démasqué. Ouais, mais elle est forte quand même de l'avoir mangé sans avoir vacillé. J'avoue, on applaudit. Prochaine manche. Allez, let's go. Bon, les amis, alors là, on est sur la troisième manche, c'est ça? Ça va être très simple. Ici, nous avons les calveras nommées les têtes de mort mexicaines. Ce sont des symboles du jour de la fête des morts. El Día de los Muertos. On l'avait fait en espagnol, vous rappelez? Oui, je me rappelle. Oh, mais merde! Je mange, ça me fait de l'air. Voilà, ça sent la mort, son pet. D'ailleurs, ça a un lien, là, son pet, avec l'odeur. Parce que là, ça va être l'odorat sur cette manche. 4 têtes de mort à l'intérieur, une odeur de parfum à la vanille. Il y en a 3 au parfum à la vanille. Le parfum à la vanille, ici, c'est une odeur appréciée au Mexique, dans la gastronomie. Écoutez! Oh, vous prenez pas au sérieux mes histoires, j'en ai marre là! Bah vous m'écoutez pas, la tête d'homme, je parle plus, c'est bon. Bref, il y en a un à l'intérieur, il est piégé, ça sent le caca, c'est bon. Voilà, ça merci. Sent la mort, le P à Adem. 3 à la vanille, 1 au pet, à la merde, à la chiasse. Faites attention, s'il vous plaît. Il y en a un, il va meurfler. Ok, 1, 2, 3, ça pue, on y va. Allez, la vanille,
tarte. La vanille. Attendez, vite fait. Vous pouvez enlever, on se regarde, vite fait. Léa. Ouais, je l'ai bien. Wesh, à quoi? Léa, on voit pas ta tête, là. La caméra montre leur bien. Vas-y, vas-y, attends, attends. Remets ta tête dedans, replonge. Relève. Ça va? Ouais. Vas-y, remets ta tête. Fais... Ah, ah, tu kiffes, hein. Fais... Ah. Moi, je dis juste, Kayla, pourquoi tu mets pas ton masque? Sans. Ah. Vas-y, Adam, en même temps. Ah, un, deux, trois. Allez, tu l'as pas senti, je t'en si, 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 tu si, l'as si. Pas senti. Senti, wesh. Vas-y, vas-y. C'est bon, frère. En fait, c'est tellement fort le parfum à la vanille non, il que est ça pas m'a fort, brûlé. Mais j'ai un truc à dire. C'est pas drôle pour des mecs qui sentent leur propre paix tous les jours, genre. Moi, j'avoue, moi, même si ça sent le caca, je kiffe. Ah. Vas-y, remettez-le, tous. Les frères, voilà, j'ai un pressentiment. J'ai l'impression que c'est Adèle. Je le savais. Oh, mais ça pue. Oh, mais quelle horreur. T'as vu comment il a fait pour sentir la première inhalation, là? Attendez, mais sentez. Attends, mais t'as pas pu tenir, mon ref. Il est sans, sans, c'est sans. Quoi, je rigole, frère. Vraiment? Ah, il a bluff. Ça, c'est une technique de légende. Attends, j'ai une crotte de nez. Je te jure, j'ai l'impression que ça a plus le caca, ton truc. Oh. Je sais pas, ça pue vers là, genre. Mais c'est mon pet, ça. Je crois son pet, il est resté. Y'a, toi aussi, t'étais bizarre. Y'a rien, wesh. Vas-y, retape un croc, là. Retape une odeur, là. Ça va, tu kiffes? Moi, ouais, je kiffe. Vas-y, viens, on kiffe sous les deux. Juste pour voir et on se regarde dans les yeux. T'es sûr que c'est pas toi? Je suis sûr que c'est pas moi. Adem, il est en train de suffoquer, hein. Adem, ça va? C'est un gros mytho. Bref, on vote Adem. Je vote Adem. Je vote Adem. C'est clair, net et précis. Rémi Starou, tu votes qui? Ah ouais, Zama. Il est neutre. Vas-y, vas-y, Adem, c'est toi, ouais. Vas-y, ça sentait le fin fond d'un trou de balle de jument, frère. De quoi? De jument. Oh, ça sent le pé d'un chameau. Oh, oh. Ah, j'ai pas envie de sentir. Qui s'est torché avec ça, s'il te plaît? Me dis pas, c'est ton caca. Non, mais attends, c'est le caca de Rémy Mysterio, les frères. Ah bah, je suis mort, Adem. On a tous 3 points, les amis. Adem, 0. Il prend 0 points sur cette manche. Par contre, je veux bien le parfum, c'est quoi Ah ouais, la vanille, ils sont super bons. C'est quoi la marque? C'est un plaisir, frère, ça. Oh les bâtards. Ah, c'est carré. Oh, les mon doigt, mon doigt. Les amis. Bon, on a quoi devant nous? Noix de coco piégée. Agua de coco. Agua de coco. Elle connaît le nom. Déjà, attendez, bizarrement, pourquoi j'ai la plus moche? Pourquoi la mienne, elle est jaune? Ah, je sais pas. Hein. Ça a été donné au hasard par Rémy Mysterio, les potes. On non, sait c'est pas au hasard. Ah ouais? C'est pas au hasard. Il a choisi son ennemi. C'est le cadreur. Non. C'est le cadreur. Quoi? Eau de coco, appelée au Mexique agua de coco, est vraiment un des fruits phares du Mexique car tout simplement beaucoup de palmiers de cocotiers au Mexique et c'est une boisson très rafraîchissante. Voilà, tout simplement, j'ai rien à dire de plus dessus. Ok, on peut goûter maintenant? Bah, let's go. La coco piégée est tout simplement piégé de vinaigre. Oh. Voilà, vous êtes pas prêts. 3, 2, 1, pas. Ça va couler, hein. On dirait de l'eau. Alors, agua de coco, c'est incroyable. Wow. Il est trop nul en comédie. Wow. T'es trop nul en comédie. C'est pas toi, j'espère. Bah frère, la tête d'homme, frère. Vas-y, goûtez. Si ce serait du vinaigre, le vinaigre, vous savez comment c'est une folie, genre. Tu peux pas le cacher, regarde. Ouais, mais... Tu sais pourquoi j'y crois plus? Je fais un bas de bouche, carrément. Il pue de la gueule. Non, après lui, il pue de la gueule tout le temps. J'avoue. Avec ou sans vinaigre ici, ça pue de la gueule et fier. Soit elle est périmée, soit j'aime pas la... Ouais, moi aussi. Elle est dégueulasse. En fait, depuis mon intoxication ici, là, à cause des mêmes bails comme ça, là, ça me dégoûte. Moi, carrément, j'en mange, hein. On peut l'ouvrir après pour manger. Moi, Kayla, ça va? J'ai l'impression que t'aimes pas, genre. Vas-y, vas-y, rebois. Non, parce que moi, elle est dégueulasse. Vas-y, fais un bain de bouche, alors. Faites tous un bain de bouche avec. Je veux tous voir faire un bain de bouche. Le glou, glou, glou. Je sais pas faire les bains de bouche, je vais te le dire combien de fois. J'ai avalé, frère. J'aime pas, c'est dégueulasse. Vas-y là, chelou tout. Elle est dégueulasse la goua. Pour de vrai là. J'ai bu, mais c'est dégueulasse. Ça y est, je pense qu'on a assez prouvé, non? Vous trouvez pas? T'as assez prouvé parce que t'as pas assez bu justement. Ah ouais, bizarre. Là, j'ai pas aimé là. Peut-être c'est un bluff. Qui sait? Rebois. Ça y est, je vote Bilal. En tout cas, moi je vote Bilal. Je vote Bilal, je l'ai grillé en flagrant délit. Attends, sans ma bouche, ça sent le coco, frère. Ah, c'est Bilal. C'est Bilal. Wallah, j'ai plus d'estomac, frère. J'avais des nausées. Wallah, c'est dégueulasse, j'ai plus d'estomac. Mais la mienne, elle est trop bonne, j'ai trop envie de l'ouvrir là. Vas-y, goûte la nôtre. Agua de coco. Tous un point sauf Bilal. Mon estomac, il est brûlé, il est mort. Pourquoi on a fait ça? Qui a eu l'idée du vinaigre là? C'est toi?
Ah. Elle a dénoncé le cadreur. Le cadreur, c'est de ta faute. Ah, ça veut dire qu'il aime pas Mylène. C'est sûr, c'est de sa faute. C'est lui qui me l'a mis. C'est lui qui... J'ai plus d'estomac. Fin du tournage au Mexique. Tu peux me masser, Rémi Mysterio? C'est bizarre un peu. Bon, session massage, on passe à la prochaine manche. Il a faussé les coups. Qui veut du miel Pops? C'est bzz, bzz, bzz. La tête d'homme, j'ai vu un morceau, frérot. Pour cette cinquième manche, ça va être très simple. On a quatre cocktails devant nous. Il y en a un, c'est de la bière. Ça non, y est, non, ça y est, stop. C'est du tequila. À un moment donné, on a envie de boire du tequila, les frères. Regarde comment me regarde maman. Faut savoir que le tequila, de base, c'est blanc. Et là, pour éviter tout soupçon, on a mis du colorant rouge. Voilà, donc il y a trois verres d'eau, un verre de tequila. Zéro alcool. C'est la version arcaille de tequila. Retrouvez la sensation de chaleur en bouche d'un véritable spiritueux. Vous n'allez pas être bourré parce qu'il y a 0% d'alcool. La version arcaille du tequila ne contient aucun produit distillé, ce qui vous garantit une teneur en alcool de 0,0%, donc 0% d'ivresse. Après, il y en a, ils ont pas besoin d'être ivres ici, qu'ils le sont déjà au naturel. Par exemple, Léa. Sans alcool, la fête est plus folle. Bon, allez, vas-y, on peut goûter là. Bah, c'est parti, les refs, on a plus qu'à boire et tenter. Un. Putain, c'est un fond là de dire bismillah pour de l'alcool. Ouais, c'est pas de l'alcool. Il y a zéro alcool. J'ai toujours rêvé d'être bourré, ça y est, c'est le jour J. C'est bon, 1, 2, 6. Les goûteurs d'alcool, ils font toujours ça avec leur tête. Non, les goûteurs d'alcool, ils font ça. Bon, il est trop rempli celui-là, mais... Ce spiritueux est spirulant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bizarrement, t'as l'air de bien apprécier, Bilal. Dans une autre vie, je crois, je suis bourré. Hein. Non, c'est parce que c'est de l'eau. Non, je pense que c'est Kayla. Ouh. Elle parle pas du tout depuis tout à l'heure, elle est trop bizarre. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, nique sa mère. Oh, comme dans les films. Après, on va faire genre on est bourré. Ah, 0% d'ivresse. C'est pété, vas-y, stop. C'est des conneries. Oui. Kayla, tu peux revoir, s'il te plaît? Ah, je le sens bien. Ah, je le sens là, tu le sens là, le tequila. Ah, parfait. Merde, dégomme, spiritueux. À un moment donné, là, je pense qu'il va falloir regarder. Ah. T'es bourré? J'ai failli me casser le cou tellement je suis bourré. Ok, on peut passer au vote, Kayla. Vas-y, on sort, c'est qui là? Attendez, vas-y, attends, je vous ai pas analysé encore. Normal, vous faites que des conneries tout à l'heure. Kayla, ça va? C'est comment? L'alcool, c'est de l'eau ou pas? L'alcool, c'est de l'eau. Vas-y, vas-y, retape alors, retape. Vas-y, ça y est, on a déjà assez bu. On va tous y passer. Tu bois, je bois, Léa boit, Bilal boit. Ça va, tu le sens passer, le Ricard, là, ou le tequila? D'ailleurs, toi, tu bois pas. Regarde son verre, comment il est rempli. J'ai bu une de ses gorgées au début. Au début? C'est Kayla. Kayla, ça se voit que son âme d'enfant, il est un petit peu perturbé. Je le ressens. Ça va? Ouais. Faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est le mec qui est prévention. Pourquoi tu veux pleurer? C'est de l'alcool, hein, c'est pas du piment. Hein. Pourquoi tu veux pleurer, y'a quoi? Mais hey, bébé, c'est pas de l'alcool. Hein. C'était un prank, c'est de l'alcool, tu vas être pleurer. T'as plus d'ange pendant 4 mois, ma gueule, autour de toi. 40 jours. 40 jours. Mais ouais, j'en dirais vraiment, tu vas pleurer. Si tu veux, mais genre, c'est gênant. C'est genre c'est de crise. Oh, le bégayage. Et si on passait au vote? Kayla. Kayla. C'est toi? Vas-y, démonce-toi. Rémy Mysterio, t'as pas un coup là, c'est fait. Pas moi. Je suis roi de là, c'est oh pas non, toi. C'est pas moi. Attends, ne poucave pas, c'est qui? Ne dis rien, ne dis rien. Je peux pleurer, genre, non. Bon, on peut rétablir la vérité? Ne dis pas que c'est toi. C'est dégueulasse. Quel enfoiré. C'est dégueulasse. Je peux sentir. Oh, bravo, il est trop chaud. Hey, yeah, merde. Allez, Bilal, je t'en arrangime, c'est... Wesh, t'as bu de l'alcool, mais quoi, ma mère. J'ai l'estomac brûlé de ouf. Je peux goûter? Calme-toi, bois de l'eau. Ah, mais c'est dégueulasse! T'as craché quoi, toi? Ah, je peux goûter ton verre. T'as bu? Ouais, je peux goûter! Oh, l'alcoolique, là, on va se calmer. Calme-toi, là. Tu vas arriver à tes 18 ans. Attends. Donc là, en soirée, vous êtes content de boire ça, là? Donc là, vous êtes comme ça, vous êtes trop gay avec votre verre, c'est ça que vous buvez? Je vais me défoncer, j'aime bien! T'aimes bien? Oh, l'alcoolo, là! Ah, vous allez me défoncer, j'aime bien! C'est trop bon, oui! T'es dame, je préférais le vinaigre de tout à l'heure. On a trouvé l'alcoolique de la famille! Wow. Maman, elle est choquée! Non, mais ça, c'est trop bon! En tout cas, Adem, il a bien bluffé les amis, tu peux te remettre, genre? Moi, je parle trop mal! Tu parles à qui? J'ai envie de savoir au niveau des points, c'est comment? Vous avez pas trouvé, j'ai un point aussi, du coup. Ah, voilà, en gros, personne. Personne a le point sauf moi. Voilà, t'as eu ton point, bravo, Adem! Bon, les refs, on passe à la dernière manche de cette vidéo. Manche 6, c'est parti!
Ah là là, vous êtes prêts les amis pour cette dernière manche? C'est bon, t'as tout préparé le rinté là, la piñata. Attends, tu peux aller ranger tout ce qui est rangement. Les refs, Naruto Uzumaki. D'ailleurs, on ne voit pas, tu peux venir devant. Je sais pas, vous voulez faire les gros tas là devant. Là, ça va être la piñata, vous savez ce que c'est? Naruto, arrête de montrer ton cul. Désolé, j'ai pas maîtrisé. Oh, c'est gênant ce qu'elle a fait, elle a essayé de... Attends, c'était vraiment la voix de Naruto, là, refais. Je suis Naruto Uzumaki. Oh, bien joué. C'était bien ou pas? Ça, c'est la voix française, elle est claquée. La piñata, qu'est-ce que c'est? La piñata, c'est un objet creux qui a la forme d'une figurine ou d'un objet qu'on le remplit de sucreries ou de jouets. On le suspend en l'air grâce à une ficelle. Sans blague, vous connaissez. Tu casses la tête, mon frère, vas-y. Attendez, vite fait. Attendez juste, il a fait copier-coller son Wikipédia dans ses notes, genre. Logique. Exactement. En fait, ils sont KO puisqu'il est 2h30 du matin. Ouais, j'avoue, on va réveiller les voisins. La piñata représentait le mal qu'il fallait combattre grâce au divin. C'est le bâton. Le divin, c'est le bâton. C'est ça, ouais. Oh, ça peut être ta patate, à voir. Les yeux bandés. Bon, là, on va fermer les yeux. S'il vous plaît, ne mettez pas un KO. Ah, on ferme les yeux en tapant? Ouais, c'est ça. Qui veut commencer? Prims? Naruto. Prims, je t'en prie Adem. Pas besoin de bâton. Non, tu tapes avec le bâton et tu fermes les yeux, joue le jeu. Le deuxième tour, si t'as pas besoin du bâton, tu feras avec les poings. Vas-y, t'es trop un mec pas drôle qui nique les délires, toi. Tu vas pas le frapper. Vas-y, bougez. C'est trop facile de le frapper et lui mettre des bras. Non, justement, c'est plus... Regarde sa petite tête. C'est plus compliqué. C'est bon, Naruto, je rigole. Vas-y, bouge, reculez, fermez les yeux. Là, je vais le faucher. Ouf. Les sœurs, elles ont été insupportables durant ce voyage. Allez, ref, à l'intérieur. Ta gueule, je suis en train de parler, ça se voit pas, genre. À l'intérieur, trois sucettes. Elles ont la même couleur. Et celle qui est piégée, il y a de l'ail dedans, de l'ail en poudre. Et c'était quoi l'autre? Oh là là, mais après. Et du paprika. Vas-y, c'est bon. Vous allez souffrir, quoi. Ça a pas marché. T'as vu la puissance? Attends. Doucement, ferme les yeux. Non, stop, c'est bon, tu lui as mis un coup, Mskin. Wesh, il a amoché. Vas-y, à moi. Attends, est-ce que je lui ai fait des dégâts? Absolument rien. Il est trop fort, lui. Je te l'ai dit, ta patate, elle va rien faire. Vas-y, à moi. Adem, fais gaffe, il va t'en mettre une. Ouais, ça décoiffe. Je ferme pas les yeux, c'est bon. Ferme tes yeux. Fuck, je vais mourir. Ah, Mskin, je lui ai frappé. Désolé, frère, pardon. Vas-y, Ophi. Je suis pas violent de base. Mais vas-y, on n'a pas réussi, tu crois, à vous réussir. Allez, Léa. Que je peux frapper Bilal avec? Non, mais frappe pas les gars. Alors bouge. Pas tout de suite. Bougez. Vas-y, tape. 1, 2. Mais elle a pas de force, ça sert à rien les. Ouais, une skin, il l'a senti celui-là. Hey, tu fais le malin avec qui toi? Attends, vas-y, c'est bon. Tu fais le malin avec qui toi? Je crois qu'il va. Ah ouais, Regardez comment j'ai dévisagé. Vas-y, tiens, je vais le finir. J'ai pas fait. Vas-y, laisse-la mettre un petit coup. Fais-moi la puissance du Super Saiyan divin. Je vais rien faire du tout. Oh, les machines à patates, c'est ça. C'est... En fait, j'ai retrouvé. Ah, attends, mais tiens-le, Mskin, tiens-le. Oui. Abile, vraiment, ça fout. Tiens, t'as plus d'œil. Je peux manger les yeux. Adem, viens, on se met à deux sur lui, c'est bon. T'es vieille droite. Allez, non, je pars pour là, excusez-moi. C'est des trucs de chétan. Il fait mal, tu m'as fait mal. J'ai envie d'enlever mon micro là pour l'atomiser. Je peux pas en fait. Arrête de faire genre c'est le micro le problème. Ben oui, soulève un peu moi l'arbre ici là. Vas-y, c'est bon. On va taper droit au but, droit dans le ventre de sa mère, la chauvasse. Doucement, je suis là. Tiens-le. Mais faut le tenir. C'est bon. Voilà. Oh, c'est bon de la déchirer. Les sucettes elles sont là. Let's go. Naruto, je l'ai rendu comme ça. Bon, chacun prend sa sucette. Bon, les frères, on a la sucette. Voilà, j'ai des bleus de ouf. Ah, moi aussi, il m'a fait mal, Naruto. Je suis désolé. Mais je l'ai vaincu, frère. Ouais, bravo, Adem. C'est parti, on suce. Ok, 1. 2, 3. Oh, je peux pas. Tu vas te griller là, t'as tué le concept là. C'est toi? Oh merde, c'est vrai, j'avais oublié. Elle est trop bête elle. J'avais oublié. Elle a flingué la dernière manche. La dernière manche, c'est elle. Frère, la tête d'homme, tu vas servir de piñata là, frère. Oh, j'avais oublié. T'as fait exprès en fait tout ça pour pas jouer le jeu. Ouais, j'assume genre. Ok, éteignez-la en commentaire. Vas-y, c'est pas grave. Elle est vraiment dégueulasse, sa sucette. C'est toi? C'est des sucettes mexicaines, mec. Non, elle est pas bonne, la sucette. C'est qui là? Sans. Plus tu t'enfonces. Ouais, c'est bon, c'est Kayla, les frères. Elle a niqué le dernier truc. Moi, j'avais oublié. Attends, mais c'est de la nourriture, frère, jette pas. C'est une sucette dégueulasse. Mais c'est quoi cette sucette, là? Mais vous voulez sucer quoi? Toi? Kayla, elle a flingué la dernière manche, je suis déçu, on a fait tout ça pour rien. Imskin, on l'a rendu comme ça, genre pour que ça finisse en 2 secondes. Eh, t'as pas le choix, ressus. Je peux pas? Ressus. Je peux pas, elle pue. C'est pas ce que vous croyez, putain de merde. Vas-y, ressus. Non, je peux pas.
Bon bah la famille, c'est une fin de manche, c'est une fin de game. C'est surtout une fin de vidéo. Voilà, on a le seum pour cette dernière manche à la flop avec Kayla, merci. Mais de toute façon, la sucette, elle est vraiment dégueulasse. Voilà, remerciez Kayla en commentaire, maximum. Dites merci Kayla d'avoir flop la vidéo. Voilà, la dernière manche. Flop la vidéo carrément. Ouais, t'as la vidéo. La dernière manche, allez, c'est bon. En tout cas, on n'oublie pas, ce qu'on retient de cette vidéo, c'est que Kayla, c'est une alcoolique, elle aime bien l'alcool. C'est une flingueuse de concept. Voilà, j'ai plus d'estomac aussi. Et... je m'en sors bien. Je m'en sors toujours bien. Bon bah la famille, on va s'arrêter là. Merci à Rey Mysterio, tu peux rentrer sur le rinté. Bon, ça va être le moment de montrer maman sur la chaîne. 1, 2, 3. Bon bah merci à Rey Mysterio, merci à tous. On va choper le masque. Dites en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Franchement, un pur régal. Franchement, c'était vraiment pas mal. Maximum de pouces bleus. Dites en commentaire si vous avez kiffé le concept. On en refera peut-être un autre. Hein. Au revoir. Bon bisous tout le monde, merci.